Pour connecter les capteurs à l'application, nous devons suivre ces étapes simples. Une fois que nous avons associé les capteurs à l'appareil, nous les allumons avec l'interrupteur latéral. Les lumières du capteur s'allument pendant le démarrage et après quelques secondes, une lumière bleue et verte clignote, ce qui nous indique la mise en connexion. À partir de ce moment-là, nous pouvons nous connecter à l'application Endurance. En haut à droite, nous trouverons une fenêtre déroulante avec le menu de connexion des capteurs. Par défaut, la connexion se fait en mode automatique. Les capteurs se connectent directement en affichant un voyant vert lorsqu'ils sont connectés, montrant également le pourcentage de batterie de chacun d'eux. Une fois les capteurs connectés, le mode manuel s'activera. L'option de connexion manuelle permet de connecter les capteurs manuellement. En appuyant sur « Connexion automatique », celle-ci passera en mode manuel. Une fois cela fait, nous pourrons appuyer sur un capteur pour le connecter en nous affichant également la quantité de batterie et le voyant vert de connexion. Quand les capteurs sont connectés, un voyant bleu se figera sur le capteur. Si nous voulons déconnecter un capteur, il suffit d'appuyer sur l'un d'entre eux et il se déconnectera. Nous pourrons effectuer cette manipulation dans le cas où nous souhaiterions travailler avec un seul capteur pour mesurer un ou deux muscles.